Shabbat Shalom ou Mevorach. Nous voilà au dernier Shabbat de l'année. Acharon, Acharon, Chaviv. Que Bezrat Hashem, ce Shabbat dans lequel c'est Hashem lui-même qui nous bénit le mois et pas seulement le mois, mais il nous donne la force de bénir le reste de l'année. Que Bezrat Hashem, chacun d'entre nous puisse avoir une Shana, Tova ou Metuka et qu'on puisse voir la Geoula de nos propres yeux. Alors le Dvarmachou de la Parashat. Nitzavim Vayeler, c'est un message vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment très souvent, on voit le, 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 le style du rabbi de, de, de rallier des choses qui sont opposées. Nitzavim, ça veut dire vous, vous tenez debout. Donc, c'est le contraire du mouvement. Et Vayeler, ça veut dire vous allez avancer. Et donc, Nitzavim Vayeler, c'est deux idées opposées dans le même nom, dans le même Shabbat, dans deux... Deux, deux parachiotes qui sont opposés dans le même Shabbat, qui représentent un message oppo opposé dans le même Shabbat. Et est que le rabbi, comment le rabbi explique ça Le rabbi explique qu'il y a deux niveaux de perfection dans le dévoilement d'Hachem de, de, dans ce monde. Le premier niveau, c'est un dévoilement d'Hachem qui est au-dessus de la nature. Ça veut dire un miracle. On voit que c'est Hachem, ça ne peut pas être autrement. Et un deuxième niveau de dévoilement d'Hachem, c'est quand c'est caché dans la nature. Et comme on peut voir maintenant de nos jours, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, que le dévoilement d'Hachem et de la Géoula, il est tellement microscopique qu'on se rend même pas compte que c'est la Géoula maintenant. On croit que c'est normal. Mais comme je l'ai expliqué, je pense, la semaine dernière ou il y a deux semaines, si on prend une personne d'il y a 200 ou 300 ans qui vient dans notre monde aujourd'hui, il dit Mais, mais c'est la gueule là C'est la gueule là Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a déjà un dévoilement qui est au-dessus de la nature dans notre monde, mais on, on s'est tellement habitué à ce dévoilement que c'est rentré dans la nature, c'est devenu normal. Et le rabbi explique en, en parallèle. Que il y a deux niveaux de perfection aussi par rapport au juif lui-même. D'un côté, le juif, il est, il est nitsavim, il est parfait en soi. Même si un juif est la et que maintenant on est dans le Chodesh loul et qu'on se rapproche du Yom Adin, du jour du jugement, et qu'on veut faire Tchouva, alors c'est sûr qu'il y, 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 y a le fait qu'il faut faire Tchouva. Mais le juif en soi, il est parfait. Mais s'il a fauté, Israël, c'est quand même un juif. Et après, il y a un deuxième niveau de perfection qui est de faire Torah mitzvot, le juif qui fait Torah mitzvot, le juif qui fait tchouva, et ça, c'est le deuxième niveau de perfection. Et ça on rappelle un petit peu aussi ce qu'on fait en thérapie. Pour pouvoir, une personne qui veut changer, qui veut s'améliorer, la première étape, c'est d'accepter. C'est d'accepter que... Dans ce niveau-là, je suis pas parfaite. C'est vrai que ça paraît euh, le contraire. Si j'accepte que je suis pas parfaite euh, sur ce niveau-là, alors comment je peux m'avancer Ça veut dire que j'ai accepté, ça veut dire que je vais je vais pas changer. Non. C'est une, une acceptation qui est avec de la compassion. Et quand j'accepte que c'est vrai, je suis pas parfaite, je dois m'améliorer dans cette dans cette dans cette dans cette midala, dans cette dans cette, 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 uh, cette uh, area. Uh, je sais pas comment dire. Dans, dans, dans ce, à ce niveau-là. Alors, une fois qu'il y a cette acceptation, je vais pouvoir, ça va me donner le courage de vraiment changer et d'avancer. Voilà, shana tova ometuka, des bonnes nouvelles et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter avec vos questions.